Bonjour, je suis Julie Ferrez, coach forme et bien-être. Et aujourd'hui, pour Femmes Actuelles, je vais tester des sports olympiques. Et pas n'importe lequel aujourd'hui, je vais commencer par le badminton. Et je vais être coachée, pas par n'importe qui non plus. Elle est juste numéro 1 en France du badminton. Elle s'appelle Delphine Lansac et elle joue en simple dame. Je pense que je vais déguster un peu, mais vous aussi. Bonjour Delphine. Bonjour. Je suis ravie d'être là, un peu impressionnée quand même. Ah bon? Alors à quelle sauce je vais te manger? Eh ben, on va faire quelques échanges et puis on verra un peu comment tu te débrouilles. Quoi. Mon niveau olympique? C'est ça. On y va? C'est parti. Prête, hein. Allez. Alors le badminton, c'est bon pour qui, pourquoi, pour tout? Le badminton, c'est un sport très complet. Donc on peut travailler vraiment toutes les parties du corps. Ouais. C'est vraiment les bras. Bah ouais, par exemple quand on tape dans le volant, on va forcément utiliser les bras. Le triceps. Les filles, le triceps. Voilà, et puis même, on est tout le temps en mouvement. Vachement les abdos aussi quand même. Bah oui, c'est vrai, parce que si on n'a pas d'abdos, au final, on tient pas et on peut se faire mal au dos. Donc poignée d'amour, ça va les éliminer un peu quand même. Un petit peu, normalement, ouais, ouais. Et puis c'est surtout aussi tout ce qui est fessiers, jambes. On est tout le temps en activité au badminton, on est obligé de se replacer entre chaque frappe. Ouais. Et du coup, rien que pour aller au filet, on va faire des grandes fentes. Ah oui, donc cuisses, fessiers. Voilà. C'est pas mal. Tout est sollicité, même l'avant-bras. Donc on peut avoir un corps de rêve en jouant au badminton, n'est-ce pas? C'est bon, bah on y va? C'est parti, allez. Allez. Merde! Rapproche-toi. Ouais, mets-toi un peu là. Je crois que parce que c'est en diagonale normalement. Change de prise quand t'es en revers. Là par exemple t'es en coup droit. Pour jouer au filet en fait on va être relâché au niveau de la main et c'est vraiment le revers c'est avec le pouce. Et en fait c'est pas ça, c'est ça. Ce mouvement là. Ça fait vachement mal dans l'épaule. Ouais parce qu'il faut toujours la garder sens. Droite. Ah. Allez faut bien que tu montes le bras. Oh, putain. Je peux vous dire que les abdos ça bosse grave. Allez allez une fente. Ouais. Allez! Oh, bien! Un petit smash? Ouais! Merde! Pour aller vite au volant, faut être bas sur les jambes. Putain, mais en fait, faut aller chercher ta balle hyper haut, puis après être super basse. Putain! Oh, pardon! On a l'impression qu'elle joue au paintball. Vous voyez? J'ai l'impression d'être une petite dame qui court derrière un grillage. Bon Delphine, ce petit truc à plumes là, ouais. Ça va à combien quand tu frappes, quand tu smatches? Moi personnellement, je pense que ça doit tourner autour des 250 km/h peut-être, je Donc, sais pas. Donc tu es en train de me dire que tu as fait une tentative de meurtre sur moi là déjà, tu vois, en me balançant un truc comme ça à 250 km/h. Bah après je visais à côté donc ça va, ça Je vais appeler pas, la police. Vous avez bien enregistré, tentative de meurtre sur moi-même. Donc en résumé, le badminton, c'est super bon pour être gaulé des pieds à la tête, un fessier d'enfer, des cuisses de gazelle, des bras ultra toniques pour la robe sans manches. Les filles, c'est vous ce qu'il reste à faire. Delphine, tu n'as d'accord. pas eu ma peau, mais peut-être qu'un jour je me vengerai. Je ne sais pas quand, mais tu verras. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci.